Waouh, l'éclaircissant château rouge de Paris, quelle merveille. Nous sommes contre toute forme de décoloration de la peau noire. Mais waouh, nous admettons que pour ceux ou celles qui en sont adeptes, utiliser château rouge serait une bénédiction sur tous les aspects possibles. Nous n'en revenons toujours pas, nous avons rarement croisé des produits dépigmentants aussi respectueux de la peau. Déjà, en termes de qualité, utiliser château rouge de Paris est irréprochable. Vous serez nettement plus bénéfique sur le plan de la santé que d'utiliser un produit comme la gamme Caro White. Le lait éclaircissant château rouge de Paris respectera votre peau d'une manière abusée. Chaque ingrédient est parfaitement et minutieusement calculé, aucun excès, aucun manque non plus. Redoutable arme, quant à vos boutons, il détruira de manière fracassante tous vos boutons sans exception. Mais malheureusement pour vos tâches, ce lait n'est vraiment pas efficace. Pour vos tâches, il serait préférable d'utiliser la crème de visage concentrée de Château Rouge. Lors de nos tests sur le lait Château Rouge, qui nous a quand même pris plus de 6 mois, nous pouvons vous assurer que ce lait unifiera votre peau, mais est très loin d'être dépigmentant. Nous vous l'assurons formellement, c'est juste du marketing. Il vous donnera un super teint unifié. Il sent relativement bon, il hydratera parfaitement et convenablement votre peau, vous débarrassera des boutons, mais ne va jamais vous rendre aussi clair que vous le croyez. Pas du tout comme Coco Pulp par exemple. Aussi, nous le déconseillons fortement aux peaux très grasses. Mais pour le reste, allez-y à cœur joie. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, sans crainte pour votre santé, ni de perdre votre coloration noire. Abonnez-vous bientôt pour de nouveaux tests, de nouveaux produits. Au revoir, vous étiez sur Bazar du Dimanche.